Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas filmé. La dernière vidéo que vous avez vue, c'était avec mes amis et je vous remercie parce que vos retours ont été juste adorables. J'ai trop kiffé à filmer cette vidéo et moi j'ai trop kiffé faire le montage et j'ai kiffé voir vos retours. Donc merci beaucoup et ça m'encourage à faire beaucoup plus de vidéos avec mes amis parce que vous aimez beaucoup beaucoup ça, donc ça me fait plaisir. J'avais pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Cette vidéo n'aura pas un but précis, je vais vous parler un peu de tout et j'ai des choses à vous montrer puisque c'est obligé, puisque ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, c'est obligé que je vous montre des choses puisque c'est comme ça. Vous savez forcément les causes de mon absence, c'était la rentrée. Donc moi personnellement ma rentrée s'est bien passée, j'espère que la vôtre aussi. Vous savez, je suis dans un lycée qui n'est pas dans ma ville, je veux faire un bac à appliquer. Du coup il fallait que j'aille dans un lycée qui fasse cette option. Et il n'y avait pas ce lycée là dans ma ville, du coup il fallait que je me taille. J'ai très vite pris mes marques, je me suis très vite fait des amis et du coup grosse dédicace à eux. Je sais qu'ils regardent mes vidéos et du coup je suis obligée de faire une dédicace à eux. Niveau cours, voilà, c'est beaucoup plus dur que la troisième mais je m'attendais pas à ça en fait. Donc du coup mes premières notes sont assez... la vidéo City était annoncée pour le mois de novembre, je crois, ça a été repoussé au mois d'avril. Je ne sais pas encore si je vais y assister. Je pense qu'en tant que youtubeur, je ne vais pas y être présent, mais j'y serai en tant qu'abonné. Mais je vais y aller pas pour voir les youtubeurs, je pense, enfin pas comme la Gate Beauty où j'ai fait. J'irai plus pour voir et pour plus profiter, donc normalement j'espère que je vais y être, mais normalement c'est bon. J'ai quoi d'autre à dire? Au niveau des vidéos, j'aimerais beaucoup plus me diversifier. Du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos autres que les vidéos banales. Mais moi, j'ai quelques idées, donc ça va venir. Mais je pense que je les filmerai plus pendant les vacances, puisqu'il me faut un peu plus de temps pour pouvoir filmer tout ça. Mais voilà, si vous avez vraiment des vraies idées de vidéos, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comme d'habitude. Je sais qu'Halloween arrive, donc si vous voulez des vidéos Halloween, dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais bien. L'année dernière je vous n'avais pas fait je crois. Donc dites-le moi aussi en commentaire. Dans ma dernière vidéo je portais cette veste-ci. Voilà. Vous avez été beaucoup à me demander d'où elle venait, d'avoir le lien du site, le lien de l'article. Donc ça pourrait faire penser à Anastasia, ce n'est pas une veste Adidas. C'est un peu en matière kawaii comme ça, elle vient de Chine. Je vous mettrai le lien exact en barre d'infos parce que je sais que vous avez été beaucoup beaucoup à me demander. Et du coup avec ça j'ai aussi reçu ce sweat là avec la tête d'Hélène comme ça. Ce sweat est genre tellement bien, voilà la qualité, j'adore. Pareil pour la veste, la qualité est très très bien et je les porte plein de fois. Je les ai déjà portées plein de fois, passées avec, etc. C'est de la très bonne qualité. J'ai reçu ce produit là de Merci Andy parce que vous savez que j'adore cette marque. Mais j'étais très déçue puisque je n'ai pas pu le tester en entier. La Smell Detox, donc c'est pendant deux semaines. Après il y a plusieurs durées. Detox pour avoir les dents blanches et c'est sous forme de trucs comme ça, c'est liquide. Je sais pas, une semaine après la rentrée et j'ai dû commencer à y faire une semaine après et j'ai commencé à faire 4 jours et genre en fait les produits sont devenus tout durs, c'était même plus liquide, c'était dégoûtant et voilà, vous voyez c'est tout dur, je vous ai pas voir. Je suis quand même dégoûtée parce que j'aurais bien voulu tester ça en entier. Je peux pas vous dire mon avis là-dessus mais au moins vous savez ce qu'il en est pour moi. J'ai fait des photos sur Instagram avec des lunettes et vous avez été beaucoup à me demander si je portais des lunettes, qu'est-ce que j'avais et tout machin. J'ai reçu cette paire de lunettes de la marque Eddie Owenson. En fait une paire de lunettes pour quand vous avez les yeux fatigués et quand vous restez beaucoup sur les écrans, etc. Donc portable, ordi, tablette, etc., etc. Et cette paire est genre trop bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Elles sont vraiment de très, très bonne qualité. Moi je sais quand j'ai les yeux fatigués ou quand je reste beaucoup sur mon portable, sur un des trajets ou quoi que ce soit, je les mets direct. Elles sont vraiment très jolies. Et voilà ce qu'elles donnent. Je n'ai pas trop une tête à lunettes, mais elles sont vraiment très jolies. Quand les produits Anastasia Beverly's sont sortis, donc il y avait pour les sourcils, etc. J'ai pu recevoir des produits donc de leur marque et leur sortie. Moi j'ai reçu le kit à sourcils, donc avec le gel, j'ai perdu le mot. La matière pour remplir vos sourcils, ainsi que un petit pinceau avec un goupillon. Donc moi je n'ai pas utilisé le pot avec la crème pour remplir vos sourcils parce que moi je ne remplis pas mes sourcils parce que
ça ne me va pas, j'ai pas de rappel à mes sourcils pour l'instant. Mais par contre le gel est genre super bien, donc là j'ai sur mes sourcils actuellement. Et c'est un très très bon gel, donc j'avais celui de Kiko avant. Mais celui-là est de meilleure qualité, je dois avouer. Moi je sais que je ne mettrai jamais ce prix-là pour un gel à sourcils. Mais j'étais très très contente de recevoir les produits Anastasia Beverly's pour vous donner mon avis. Giorgio Armani m'ont envoyé ce parfum-ci. Et c'est un gros gros coup de cœur. Je l'ai déjà pas mal descendu quand même, ça doit faire depuis la rentrée que je l'ai reçu. Et il sent tellement bon, il reste sur la peau toute la journée. Après peut-être qu'il ne va plus être de saison parce que c'est une odeur assez, assez pour l'été. Donc peut-être qu'il ne va plus être de saison. Cacharel m'a aussi envoyé ça, mais je suis dégoûtée parce que je m'attendais pas à que ça soit ce produit-ci. Donc Cacharel m'a envoyé une huile sensuelle corps et cheveux de Amor Amor. Donc ça sent hyper hyper bon, mais en fait c'est une huile sensuelle, donc du coup c'est assez gras. Moi j'ai cru que c'était une brume au début et j'ai pas fait attention. Et genre du coup quand j'ai fait ça, je n'ai pas testé. Après pour faire les massages ou quoi, c'est parfait ça par contre. One Piece, vous savez que j'adore cette marque, c'est comme Merci Andy. Ils m'ont encore envoyé leur nouveauté, donc c'était leur survette d'été ou... survette d'été, bien sûr, survette d'hiver où vous pouvez rester des dimanches entiers là-dedans ou vous regardez des films avec de la bouffe. Voilà, il est genre super, donc moi il me va un peu grand. Bonne matière, bonne qualité. Ah, j'ai mal aux pieds! Pour ceux qui me demandaient, je suis en train de passer le code, ça fait depuis plusieurs mois. J'espère passer le code bientôt parce que c'est assez saoulant. Mais je préfère y aller et l'avoir du premier coup que qu'elle me le fasse passer maintenant et que je ne l'ai point. Puisque c'est assez difficile quand même, franchement il y a des questions maintenant au code, c'est quoi ça on se demande. Donc franchement ouais, c'est... Je vais commencer la conduite aussi bientôt, on adore. J'ai mal aux pieds par contre, ça devient perturbant. Ah non, j'ai une crampe. Si je n'allais pas faire cette vidéo aujourd'hui, j'allais en faire jamais. Donc fallait que je fasse ça quoi. J'étais malade la semaine dernière, genre j'avais plus de voix, j'avais le nez bouché, j'avais une tête de déterré. C'est pour ça que j'ai pas pu filmer la semaine dernière aussi. Donc c'est pour ça que ma vidéo a une semaine de retard précisément. J'avais pas envie de revenir avec une vidéo en mode wesh, on s'est vu il y a deux jours. Voilà, moi c'est comme ça, je me dois de vous faire une vidéo. Passez une bonne semaine, c'est bientôt les vacances, bon courage. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous aime fort, merci beaucoup pour tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. J'ai mal aux pieds.